C'est encore quoi ça? Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va. Maintenant détends-toi. Parce que devant toi est posé un fruit qui risque de tout changer dans ta vie. Tu as le droit d'être sceptique. Alors, soit tu tentes le coup, ou tu ignores cette opportunité et demeures callboxeuse toute ta vie. Comment vous avez fait pour savoir que... Là n'est pas l'important. Tu acceptes ou tu déclines? J'accepte. Bien. Je vais maintenant te poser une série de questions. Fais bien attention à tes réponses. Est-ce que tu es prête? Oui. Quel âge as-tu? 24 ans. Combien d'enfants as-tu? J'ai 2 enfants. Pourquoi as-tu des enfants? Mais je suis une femme. Et je suis féconde et je... J'ai couché avec un homme. Combien d'hommes est-ce que tu as dans ta vie? Toi. Est-ce que tu parles ta langue maternelle? Je vais prendre ça pour un nom. Bien, maintenant, est-ce que tu es vierge? Hein? Le fruit présent sur la table est un vecteur de bénédiction. Si tu le prends, tu vivras longtemps et des richesses en suivront. Tes enfants ne seront plus malades. Tu cesseras de vivre chez tes parents. Ta mère ne sera plus endettée. L'homme de ta vie viendra. Le plus important, le cancer et le VIH que tu portes disparaîtront. Alors je répète, est-ce que tu es vierge? Mais je viens de vous dire que j'ai des enfants. Si tu n'es pas vierge, alors sors de cette salle.